CSG du site Séquence Paranormale. Petite découverte aujourd'hui sur un grand étang, l'étang d'Écluzel dans l'Eure-et-Loir, à proximité de Dreux. Ce qui devait normalement être une simple vidéo découverte finit en fin de compte en article découverte qui paraîtra donc sur le site. Certains lieux apparaissent tout d'abord simples, sans histoire, et en fin de compte, lors d'une visite, ils deviennent plus intéressants que prévu. Lors de notre visite, qui en plus avait un intérêt pour la chaîne, était aussi l'occasion d'une balade en famille, nous nous sommes préparés, surtout ma fille et moi, pour une marche de 5 km, qui est donc la circonférence de l'étang où nous allions, sans compter les divers petits lacs et étangs autour de celui-ci, soit 110 hectares. Nous arrivons au sein d'un magnifique étang qui est un ENS, un espace naturel sensible. On peut remarquer une multitude d'oiseaux. Les services spécialisés dans la préservation des espèces nous aident à les reconnaître via des affichages. Nous croisons pas mal de coureurs, mais aussi de marcheurs sur une large bande en calcaire aménagée pour les promeneurs. Du nom du plan d'eau de Mézières-Écluzel, nom des deux villes dont fait partie l'étang, cet espace est situé dans la vallée de l'Eure au sud de Dreux. En plus des coureurs et promeneurs, l'étang est idéal pour les pêcheurs et les amateurs de sports nautiques. Nous voici au bout de l'étang. Nous sommes arrivés au bout, plus qu'à faire le chemin contraire. Bon, par contre, il y a plein de chemins partout, donc on ne sait pas trop où on va passer, mais on va passer. Donc tout droit là-bas, vous voyez le moulin, en fait, c'est là où notre voiture se trouve. Donc on a fait déjà une bonne partie du trajet. Et là, on va retourner sur nos pas, il y a des chemins, on va voir ce qu'on va faire.
Nous avons pu croiser des amateurs de nature, plus précisément d'oiseaux, puisqu'ils étaient équipés d'appareils photo avec de très très grands objectifs. Un lieu d'observation a aussi d'ailleurs été mis en place pour permettre une observation discrète des espèces. En retour de l'étang, du moins de l'étang on va dire principal, il y a tout un tas de petits petits étangs, lacs, comme là notamment. La possibilité aussi de manger ici, ils ont mis des tables à disposition, alors, je suis désolé, j'ai pas trop de point de vue ici. Les dolmens d'Écluzel sont aussi appelés les dolmens pierre-pucre. Datés de plus de 5000 ans et quelques, des tailleurs de silex les auraient façonnés au centre de la prairie. Oui, avant d'être un étang, c'était une ballastière, une carrière où l'on exploitait des matériaux de construction. Le dolmen fut menacé en 1967 par des carriers qui, pour étendre des sablières, ont creusé au plus proche de ces derniers, ce qui a entraîné leur écroulement. La reconstruction fut réalisée d'une part par le maire de l'époque, qui sera rejoint par le directeur des antiquités préhistoriques de la région Centre et de bénévoles. Par la suite, une équipe de sapeurs du 8e régiment de génie de Versailles, équipée de 400 madriers, parvint au terme d'un mois de combat à remettre d'aplomb les dalles et les tables de 30 tonnes. Malheureusement, en croyant bien faire, ils ont bétonné les sous-sols de celui-ci, enfermant à tout jamais les secrets de la chambre funéraire du dolmen. D'une propreté irréprochable, notamment grâce aux agents municipaux que nous avons pu croiser, qui vont jusqu'à se mouiller pour enlever les déchets que certaines personnes peu sympathiques laissent traîner. Il y a aussi des tables et des barbecues disponibles qui permettent des soirées en famille ou entre amis assez sympathiques. Une base nautique est d'ailleurs présente sur ce plan d'eau. Cette dernière propose diverses formations nautiques, certains permis bateaux. Il est possible aussi d'y faire de la voile. Le CND, Centre Nautique du Pays de Rouet, propose aussi des balades en bateau. Voilà, nous sommes arrivés au parking, le tour est fait. Alors je crois que le tour fait 5 km, mais je vous reconfirmerai ça sur la vidéo directement, parce que j'ai pas tout en tête. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.